Ho scelto quattro testi che possono avvicinare un viaggiatore in arrivo da Lione al Piemonte, a Torino, alle montagne, alla sua cultura. E il primo sono le poesie di Giorgio Calcagno, un valsusino che con grande finezza ha rappresentato la natura della sua valle e le avventure dei pittori che affrescarono l'abbazia della Novalesa. Alessandro Perissinotto ha recuperato un'antica leggenda di Chiomonte, quella di un minatore solitario che ha scavato 1000 metri in solitario di una galleria per portare l'acqua ai pascoli. Il terzo testo sono le pagine di Primo Levi sulle sue ascensioni in montagna, e cioè sulla montagna come scuola di autoformazione ma anche di vita civile. E infine il quarto testo è un bellissimo racconto di soldati in cui soldati fa una visita in incognito nella sua città, non vuole che nessuno lo sappia perché in fondo vuole capire le ragioni per cui la ama tanto, ma nello stesso tempo le ragioni per cui ha dovuto andarsene. Ecco, il racconto si gioca proprio molto abilmente in questa ambiguità, pur naturalmente riaffermando come Torino resti una delle città più misteriose, più incantevoli e tutto sommato irrinunciabili in cui lui realmente poteva vivere. J'ai donc eu le plaisir de venir présenter des échanges entre Lyon et Turin à travers 5 ouvrages français. J'ai choisi des ouvrages plutôt anciens, L'Astrée d'Urfée, qui est un ouvrage du XVIIe siècle, qui est le premier roman pastoral en 1000 pages et qui est une déclaration d'amour d'un homme à une femme, bien sûr, mais d'un homme à un pays, à savoir le passage des Alpes et l'Italie. Le deuxième roman que j'ai choisi, et qui n'est pas un roman, ce sont les Corinne ou l'Italie, qui est un ouvrage de Madame de Staël, qui est aussi une déclaration d'amour d'une femme à l'Italie et qui également s'identifie à l'Italie. Le troisième ouvrage, c'est de Stendhal, les Chroniques italiennes. J'aurais pu choisir, si j'avais eu le plaisir de choisir une musique, j'aurais choisi Les Pèlerins d'Hector Berlioz dans Harold en Italie, parce que c'est un trait des plus beaux moments que je connaisse de musique. Ensuite, j'ai choisi de Jean Giono, Voyage en Italie, qui est le seul voyage que Jean Giono ait fait, en Italie d'ailleurs, c'est le seul qu'il ait fait de sa vie d'ailleurs, à travers quelques pays que ce soit. Enfin, Les Ritals de Cavana, qui est un petit clin d'œil, puisque beaucoup de nos confrères italiens sont venus nous voir pour des raisons malheureusement économiques ou politiques, et que je crois que nous avons tellement trouvé de racines communes que le terme même de Rital n'était pas injurieux, mais bien au contraire était affectueux.